Je vous l'annonce, cette grande nouvelle? Oui, bien sûr. Bon. Je vais avoir un enfant. Mais c'est génial. Et attendez, et c'est pas fini. Je veux me marier aussi. Non. Mais félicitations. Félicitations. Tu te rends compte, tu vas devenir papa. Non. Maman. Mais... du coup, c'est toi qui vas devenir papa. Non. Non, parce qu'on... on n'est plus ensemble. C'est séparé. Voilà. Mais tu comptes te marier avec qui alors? Avec moi. Bah, après réflexion, je me suis dit que la personne avec laquelle j'avais envie de finir ma vie, bah, c'est moi. C'est de moi dont je suis le plus proche. C'est vrai. Oui. Tu nous inviteras à la cérémonie, j'espère. Non. Bah non, parce que je veux un mariage décarboné. Empreinte carbone proche de zéro. Oh, c'est génial. Mais je le ferai tout seul. Mais pourquoi tu dis que tu vas devenir maman et pas papa? Parce que j'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Je vais devenir une femme. Oh, non. Mais c'est extraordinaire. Attendez, pardon, je me corrige. Je ne vais pas devenir une femme. Je vais enfin avoir le corps qui correspond à ce que j'ai dans la tête. Mais alors l'enfant, tu ne l'as pas encore? Non. Et tu comptes adopter? Non. Je vais vivre les sensations d'une maman. 9 mois d'attente, l'angoisse. Mais, enfin, il y a quelque chose qui me turlupine, là. Tu vas pouvoir devenir... enceinte après ton opération? Enfin bon, techniquement, non. Oui. Bah non. Mais c'est pour ça que je cherche un utérus. Oh. Bah, c'est pour ça que je voulais te demander si tu serais prête à me louer ton utérus. C'est long quand même, 9 mois. Hein. Oui. Puis bon, je t'avoue que j'ai quand même d'autres projets que de porter un môme. Voilà. C'est clair. Bon, bah peut-être toi, Léa. Moi? Oui, enfin, bien sûr. Tu sais très bien que je l'aurais fait, mais c'est que j'ai pas ça, quoi. J'ai pas d'utérus. Oh, merde. Bah oui. Mais... tu sais très bien que j'étais un homme. Oh, mais oui. Mais oui, mais bien. Ah oui. Il a oublié. Bien enfin, sûr, en oui. Réalité, j'avais le corps d'un homme, mais dans ma tête, oui, c'était... Oui, bien sûr, ça, ouais, pas comme tout le monde, oui, oui, bien sûr. Non, mais je suis vraiment désolé, j'avais complètement oublié. Bon, écoute, c'est ok. Ah. Parce que c'est toi, voilà, que je t'aime. Oh, génial. 30 000, ça te va ou pas? Ah, bah, c'est ce que j'avais prévu. Génial, bah, yes, yes. Ben oui, non, mais avec toutes les pollutions qu'on avale tous les jours, là. Pesticides, tout ça. Mais tu en as pas, toi, mon chéri, du sperme? Moi, je me suis fait faire une vasectomie. Pourquoi? J'ai été marié dans le temps. Oui. Non, mais avec une femme, je veux dire. Ah bon? Et comme on voulait pas d'enfants pour préserver la planète, eh bien, je me suis fait une vasectomie. Oui. Voilà. Merci. Mais moi... ça résout pas le problème. Ah non. Mais j'y pense, j'en ai moi. Ah oui? Mais oui. Ah! Mais t'as gardé tes couilles. Mais non. Ah non? Hey, je vais vous avouer un petit secret. Vas-y. Vous savez pourquoi j'ai les cheveux aussi soyeux? Non. Non, en tout cas, c'est vrai. C'est que... vrai. C'est dingue. C'est extraordinaire, non mais. Oula, oui, c'est. Je vous le donne en mille. Je sais pas, vas-y. Je me les lave avec du sperme. Mais oui. Quand mes sex-partenaires viennent me visiter, disons, ils m'en laissent pendant au moins une semaine. Non. Mon frigo est plein à craquer. Et puis il y a de tout, hein. Du caucasien, du subsaharien,
Du maghrébin aussi, du chinois récemment. Tu choisis ce que tu veux. Je peux pas dire mieux. Mais c'est tellement cool. Elle est au moins cool. Attends, mais. C'est génial. Oh là là, c'est magique. Oh, ça fait 9 ans que tu dis ça. Ce qui veut dire qu'il me reste plus qu'à trouver des ovocytes. Ouais. Est-ce que quelqu'un a des ovocytes ici? Ah, ça. Bah, oui. Bah, si. Moi. Bah, oui. Mais ils sont trop vieux. Bah, non. Non. Mais si. Bah, oui. Si, peut-être. Ah, bah, oui. Ouais. Ouais. Bon. Merde. Bon. Moi, j'en ai. Mais ça, on s'est fait euthanasier l'année dernière. Vous vous souvenez? Oui, ah bah oui. Bah non. Bah si. Mais si, en octobre. Ma sœur. Mais non, mais ta sœur, oui, mais... Qui est morte. Bah, bon. Bon. Bon, bref. Bon, oui. Eh bien, elle avait congelé ses ovocytes. Oui. Et elle avait mis dans son testament que ça soit moi qui les récupère, voilà. C'est généreux. Ouais, ouais. Ah ouais, oui. Ouais. Ça veut dire que tu pourrais peut-être m'en passer. Allez. Bon, c'est bien parce que je suis pas rancunier. Oh là là, on C'est beau ça. Félicitations. Oh, j'ai chaud là. En fait, ça veut dire que bah, j'ai tout. Je peux enfin devenir maman. Ouais. Oui. C'est merveilleux. Vous avez faim? Ah oh, oui. Oh, c'est tellement froid. Ah oui. Ouh, on fait du bio. Aucune transformation, aucune cuisson. Tout est nain. Tu crèches. Mmh. J'adore, ma chérie. J'ai jamais mangé de carottes aussi bonne. Mmh. Oh. Mmh. Oh. C'est bien. Oh. Mais oui, c'est un délice.